Salut à toutes et à tous, c'est Koway et on se retrouve aujourd'hui pour une petite enveloppe mystère sympathique que j'ai réussi à commander sur internet du coup à 50 euros. Donc le vendeur garantit dedans donc normalement une carte gradée. Donc ce qui est déjà en soi pas mal. On a normalement carte V, VMAX, holographique, une carte scellée, donc qui peut devenir d'un ETB ou enfin voilà, je vous fais pas un dessin. Hein. Mais du coup dedans il y a du contenu qui peut être super intéressant. Donc je vous demanderai un maximum de likes pour cette vidéo parce que clairement c'est le genre de petit truc très très sympa que j'adore ouvrir. J'aime bien tenter la chance sur ce genre d'item. Donc on va vraiment espérer avoir quelque chose de sympa. En attendant, merci à tous vraiment pour le soutien parce qu'on est à 120, je crois, abonnés. Donc, même un peu plus. Franchement, merci vraiment à tous et toutes pour le soutien que vous m'apportez quotidiennement. Voilà, merci, merci beaucoup, beaucoup. On est parti pour cette enveloppe. On va s'ouvrir déjà au couteau, enfin au ciseau, je pense, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à enlever tout le scotch, etc. Donc, on est parti gentiment. On va éviter de tout défoncer l'enveloppe à l'intérieur, du moins le contenu de l'enveloppe. Hop, c'est ouvert. Ah, donc il y a une deuxième enveloppe dedans, super. Tac. Ok, on est bien, une petite enveloppe très sympathique. Voilà, super. Et j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose dedans du coup. Hein, peut-être. Ah non, quoi, c'est peut-être les bulles que je sens. Oui, c'est sûrement ça. C'est sûrement les bulles. Bon, en tout cas, j'espère ne pas m'être fait arnaquer parce que ce serait dommage. J'ai payé ça, je crois, 50 euros. Alors, on va y aller comme ça, les gars. Je regarde en même temps que vous. Je sais pas ce que je tire là. Pour l'instant, je sens quelque chose. Oh, il y a une carte jumbo déjà. D'accord. La première, c'est, attention, Moumouflon V en carte jumbo. Bon, je l'avais déjà, je crois, mais c'est sympa. La petite jumbo, on va la mettre là. Très sympa. Hop. Le petit colis mystère, on continue gentiment. Allez, on va enlever tous les petits papiers qui traînent, ça ne sert à rien. Alors, on a... Ah, je sens quelque chose là. Je crois que c'est la carte scellée. Alors, attention. Oh, c'est un booster... Oh, un booster vide. Je crois que c'est un booster vide. Ouais, c'est ça. Il est beau en plus, hein. La belle illustration, il est bien ouvert. Super. Non, franchement, il l'a bien ouvert, donc le booster est à garder. Super, intéressant. On continue. On espère vraiment qu'il y a des choses ultra sympas dedans. Alors là, j'ai une petite enveloppe. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, attendez, on va ouvrir ça gentiment. Ouh, d'accord, ok. Super. Des petits autocollants. Et derrière, du coup, bah, je l'ai vu avant vous, la carte gradée. D'enfant. Donc le Dark d'enfant. Ah, elle est incroyable. Elle est super belle. Donc japonaise, hein, évidemment. Incroyable. Elle est vraiment super belle. Franchement, un grand, grand merci du coup au vendeur parce que cette carte-là, elle est super sympa. Je pensais pas que j'allais avoir un petit quelque chose... d'aussi, du moins un bon état comme ça, 8 ça reste encore honnête pour du 2001, si je dis pas de bêtises, ouais 2001. Donc non, franchement, très 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 jolie carte. On a un léger spiroli juste là, je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir, vous voyez là, juste là dans l'angle. Bon, il est léger, hein, mais voilà, très sympa, moi j'aime beaucoup, putain, super, hein, franchement incroyable, le petit Dark d'enfant là. D'enfant obscur du coup. Donc les petits autocollants, ça fait super plaisir, un hein, petit pack. Ah, il y a même du coup le verso. Oh là là, c'est sympa ça. Non, pour l'instant, le petit colis, il est très sympathique, les gars. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des achats comme celui-ci. Attention. Oh. Ouais, ça, c'est pas mal du tout, ça. Un petit, une petite boîte très sympa. Alors, attention. Comment ça s'ouvre? C'est par là. Donc... On a le petit pins Lunala avec Necrozma. Il est vraiment cool le pins, vraiment joli. La petite pièce au haut. Voilà, basique. On a une sleeve en dessous. Oh, d'accord. Le petit Rayquaza VMAX qui tombe. C'est bon ça. Petite skill drac au feu. Alors,
pour récupérer la carte maintenant sans l'abîmer. Comment on va bien pouvoir faire ça? Ça va être compliqué. On va l'avoir à l'usure, vous inquiétez pas. Incroyable. La petite Rayquaza VMAX en japonaise, du coup. Dans un état mint, hein, les gars. Super. J'avoue qu'elle est très très belle. Elle est très 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 belle. On remet ça là, la petite sleeve, tac tac tac. La petite boîte qui fait franchement plaisir, honnêtement. Je savais même pas que ce genre d'item existait. Et bah, je suis très très content. Hein, ça fait plaisir. Et est-ce qu'il nous reste des petites choses là-dedans? Oui, il nous reste des choses encore. Alors, attention. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? D'accord. Et... Oh! Je sais pas ce que c'est. Une croquette. C'est une croquette. Il m'a livré une croquette avec... Ok, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. On est bon. Super. Hop. Et du coup, on a un petit lot de cartes ici que je vois. Donc, on a le Xerneas des 25 ans en japonais. Un Fenard de... Quelle édition, ça? Je ne sais pas du tout. Mais il est très, très beau. Ah, petit Carapuce des 25 ans, ça, c'est propre. Édition McDo, ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Un petit Pyrobut. Et oh, Tyranosif, ça c'est un très beau Pokémon. J'adore ce Pokémon. Hein. Je sais pas vous, mais moi je suis fan de celui-là. Elle est très belle en plus. Hein. L'état en plus des cartes est mint, hein, les gars. Et derrière, ouah, elle est vraiment, vraiment belle celle-là par contre. C'est la première fois que je vois cette carte. Elle est incroyable. Carte promo bulle bizarre. Bah écoutez, les gars, super sympa. Bah voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, voilà, le colis aura été franchement, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve que bon bah j'en ai eu pour mes sous au final. Hein, on a quand même une belle carte gradée juste là. Donc en japonaise, on a quelques cartes rares japonaises, françaises. Donc non, franchement, le tirage est vraiment cool, hein, on va dire. Il nous a mis bien. Donc voilà, pour moi, c'est tout pour la vidéo. Bah écoutez, je vous remercie tous encore une fois pour le soutien. N'hésitez pas à continuer, hein, à lâcher les petits pouces bleus qui font plaisir. C'est un moyen pour moi aussi de vous proposer toujours un peu plus de contenu comme celui-là. Merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao, ciao!